Salut tout le monde, c'est 7up Muffins et je vous retrouve pour une toute nouvelle série sur Rakuen. Alors Rakuen, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu indépendant d'aventure qui est sorti tout récemment, le 10 mai 2017, sur Steam. Il a été entièrement développé et édité par Laura Shigehara, que vous connaissez peut-être comme compositeur de la BO de Plants and Zombies et qui a également travaillé sur la BO de To The Moon. Vous allez voir que le jeu reprend un peu un esprit To The Moonien, si je puis dire, dans le sens où il a été fait sous RPG Maker et je pense qu'au niveau gameplay, il joue plus sur la narration et l'histoire que sur des combats et autres. Voilà, sans plus attendre, on commence tout de suite. Vous allez voir, le jeu est entièrement en anglais, mais je vais vous faire une tradcom. Qui est là ? Hey. Comment t'es entré ici ? Mec, ta porte était déverrouillée. Oh ! Qui es-tu ? Je suis Yami. Je vis de l'autre côté du hall. Est-ce que tu viens d'emménager ou un truc comme ça? Non, je pense que je suis arrivée ici à peu près en même temps que toi. Mais il ne me laisse jamais sortir de ma chambre. Oh, je suis désolée. Eh, ça va. Je m'échappe la nuit, quand les infirmières ne regardent pas. Promets-moi que tu diras à personne que je suis ici, ok? Je le promets. Alors, t'es ici pour combien de temps? Je sais pas. Maman dit que ça pourrait durer longtemps. Pareil pour moi. C'est vraiment ennuyeux parfois. Je sais ce que tu veux dire. Quelqu'un arrive. Désolé mec, je dois partir. Hé, attends. Ouais. Peut-être que je pourrais te rendre visite parfois. C'est pas si ennuyeux quand on est deux. Tu pourras pas rentrer dans ma chambre. Je suis même pas supposée la quitter, tu sais. Ah ouais. Mais t'inquiète pas, je viendrai te rendre visite à nouveau. Je te le promets. Yami ? Où est-ce que t'es partie ? Oh, ça y est, je suis aux commandes du personnage. C'est vrai qu'on joue un petit garçon qui est hospitalisé pour une durée indéterminée. Et je crois qu'on va interagir avec les autres patients de l'hôpital. Une plante d'intérieur qui semble avoir besoin d'eau. D'accord, on a notre petit baluchon et notre petit chapeau d'aventurier. Ouvrir le tiroir, enfin le meuble, oui. Oh. Le meuble est vide. C'est décevant. Guide de soins. Patient numéro 237. Oi, 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 oi. D'accord. C'est les médicaments qu'on lui a donnés. Du pemetrexte disodium, une fois. Et de la carboplomatine, une fois le 21 novembre et une fois le 12 décembre. Un chapeau en origami. Oh,
téléphone sonne. Mais il n'y avait pas de téléphone tout à l'heure. La porte est fermée à clé. Il y a un panneau sur la porte. Le lire, oui. D'accord. Entrepôt, enfin, truc de stockage. Patients ne sont pas autorisés. Ok, pardon. Je vais décrocher. Allô? C'est sa maman. Bonjour mon chéri, c'est maman. Maman! Je voulais juste que tu saches que mon train va avoir du retard. Donc je vais être un petit peu en retard. Oh! D'accord. Je suis tellement désolée mon chéri. J'arrive aussi vite que possible. Ça va maman, je comprends. D'accord. Mais je suis en congé cette semaine et j'ai laissé ton petit frère chez grand-mère. Donc, nous allons pouvoir passer plein de temps ensemble. On va pouvoir jouer à des jeux, je te ferai la lecture. Ce sera notre propre petite fête. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, il fait jour. Ah ah. Eh bien. Je vois qu'on est bien réveillés et qu'on se promène. Personne ne m'a dit que je ne pouvais pas me promener. Enfin, dans sa chambre, quoi. Ah! Ok, mon petit sage. J'ai quelque chose à te dire. Quelques petites choses à te dire. Tout d'abord, quelques bonnes nouvelles. Tes tests sont revenus. Enfin, tes résultats d'examen sont revenus. Et on dirait que les choses s'arrangent bien. En fait, je pense que tu pourras même te promener un peu dans les couloirs aujourd'hui. Vous voulez dire, je peux quitter ma chambre? Eh oui! Yes! Pas si vite! Il y a quelque chose d'autre dont j'ai besoin de te parler. Ce matin, la cafétéria nous a rapporté qu'une grande quantité de nourriture et de boissons ont été volées dans la cuisine. Puisque l'aile était verrouillée entièrement la nuit dernière, nous pensons que le voleur doit encore être dans le bâtiment quelque part. Donc, est-ce que tu peux juste prendre un moment pour vérifier que toutes tes possessions... Est-ce que tu peux prendre un moment pour vérifier et voir si aucune de tes possessions n'était volée? Ok. Très bien. Voyons voir. Est-ce que c'est dans le cabinet? Non, on va appeler à personne. C'est quoi ça? C'est à nous? Non. C'est toujours la plante d'intérieur. Où sont nos affaires alors? Oh non! C'est parti! Docteur, ils l'ont pris! Ils ont pris Raquen! C'est quoi Raquen? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Raquen! C'est mon livre préféré de tout l'univers! Ma maman me le lit chaque nuit, c'est un livre très spécial. Es-tu totalement sûre que tu ne l'as pas rangé ailleurs? J'en suis sûre! Quand maman a terminé de le lire, elle le remet toujours à la même place. C'est notre tradition. D'accord, calme-toi. À quoi ressemble ton livre? Il a une couverture marron. Il a l'air très ancien. Et il y a un fermoir fait d'argent avec un trou pour la clé. Un fermoir en argent. J'imagine que ça peut expliquer pourquoi il prendrait un livre d'histoire pour enfants. Ça doit être ses pensées en italique. Eh bien, je suis désolée de l'apprendre. Je peux seulement imaginer à quel point il devait être important pour toi.
Je veux que tu saches que nous ferons tout ce que nous pourrons pour retrouver le voleur. Le son est un peu fort dans mes oreilles. Je sais pas s'il est pour vous aussi. Maman va être triste. Tu sais quoi? Quoi? Puisque tu es autorisé à quitter ta chambre aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu n'irais pas parler avec quelques patients du même étage? Qui sait, peut-être que quelqu'un sera capable de t'aider à retrouver ton livre. Prends soin de toi maintenant. Je reviendrai t'ausculter dans un moment. Ok, on peut se promener. Il faut que je fasse attention à l'heure. J'ai pas mon portable dans le coin. Oh, la salle de bain. Un miroir. Les toilettes. C'est vraiment très très joli. Je sais que avant de commencer le jeu, j'ai vérifié quel avait été le rôle de Laura Shigihara dans la conception du jeu. Elle s'est occupée un peu de tout en fait, du design, la programmation, la BO et le cara design en fait, le cara design. Après je sais qu'il y a deux autres artistes qui se sont occupés des décors et je pense des personnages quand on leur parle, ces personnages là. Mais elle a essentiellement, enfin voilà, elle a quand même fait au moins les trois quarts du jeu. C'est assez admirable. Alors, comment se débrouille notre détective? Est-ce qu'il a trouvé des bonnes pistes? Non, pas encore. On cherche. J'ai entendu dire que tu avais une plutôt mauvaise journée aujourd'hui. Tiens bon, tu te débrouilles bien. Et vous? Vous voulez pas me parler? Non, il est trop occupé. Bon, ah oui, ça doit être des chambres de ce côté-là. Monsieur, bonjour! Qu'est-ce que tu penses faire dans ma chambre, gamin? Sors de là! Oh, on voit même les pensées des patients. Comme par hasard. Quand je veux des visiteurs, personne ne vient. Mais quand j'ai besoin d'un peu de paix et de silence, tous les idiots du monde viennent dans ma chambre. Et où est cette infirmière avec son café? Oh, une boîte à musique cassée. Si tu touches cette boîte à musique, je te casse les mains. Oh là là. Infirmier. Ça ne sert à rien de parler à Tony avant qu'il ait eu son café. Il te grognera juste dessus comme un grand ours en colère. J'ai entendu ça, sale petit gamin. Oh, tu vois ce que je veux dire. Patient 193. Échantillon de sang. C'est quoi ce livre? Un livre qui parle d'avion. Ah oui, là, la porte est fermée. Comment je sors? Tout va bien. Ici. La porte est fermée. Lire le panneau. Sortez, personnel autorisé uniquement. D'accord. Oh, il y a un mécanisme électronique avec un mot de passe. Et c'est étiqueté. Dieu, je sais plus comment traduire les mots. Cabinet 5C. Enfin, closet, c'est une armoire, un truc comme ça. Cependant, on dirait que le mécanisme électronique n'est pas allumé. Ok. Ça, c'est ma chambre. Je crois que c'est ma chambre. Oui, c'est ma chambre. Ça, là-haut, c'est la cafétéria. Mais on ira après. Docteur. Bon, où est-ce que j'ai mis cette clé maintenant? Je dois l'avoir laissée tomber quelque part.
Est-ce que je peux aller déjà à la cafétéria? Je pense pas. Si, je peux. Bon, allez. Et on finira de voir les patients après. Je vais fouiller partout. Ouvrir le casier. Ouais. Ok. La porte est tellement rouillée qu'elle est fermée. Le nouveau... Le nouveau salon pour les patients est toujours en construction. S'il te plaît, reviens plus tard. D'accord. La cafétéria. Oh, c'est quoi? Il y a plein de chats ici. Une pile de peluches fraîchement fabriquées. Oh, tu fais de la couture? Hé, hey, petit, tu as besoin de quelque chose? Ça va? Je viens juste de finir quelques peluches. Mon objectif est d'en faire un pour tous les patients de l'étage. Même pour les vieils hommes grincheux comme Tony et Punky. Punky, hé, hey, j'ai attendu ça. C'est le cuistot. Bien. Hé, hey, petit, tu as besoin de quelque chose? Tu as entendu parler du voleur? Ne dis à personne ce que je t'ai dit, mais... Tu sais que certaines portes par ici ont ces boîtiers électroniques sur elles? J'ai entendu dire qu'ils gardaient le mot de passe caché quelque part derrière le bureau de la réception qui est en face de la chambre de Kissabulo. Que penses-tu qu'il se cache derrière ces portes? Tu veux dire que tu n'es jamais allé là-bas? Non, bien sûr que non. Je suis juste une volontaire. Une bénévole? Ah, une bénévole, d'accord. Okay. Parle-moi des patients ici. Oh, je connais tous des patients ici. Cool. Winston, je ne l'ai pas encore rencontré, mais... As-tu remarqué, la femme de Winston n'a pas son alliance sur elle. Ne penses-tu pas que c'est un peu étrange? Je veux dire, Winston porte toujours la sienne. Tony. Je sais que Tony a l'air d'être le plus grand grincheux de la planète. Mais je peux voir qu'il est juste un peu solitaire. Il se sent juste un peu seul. Je suis sûre que si tu lui amenais un peu de café, il s'ouvrirait un peu à toi. Sue n'était pas si pauvre avant. Mais j'ai entendu dire que son père buvait un peu trop et qu'il a parié toutes leurs économies. Ok. Non, c'est bon en fait. Petit chat. Hi! Je te l'ai dit, tu n'es pas supposé avoir des chats dans l'hôpital. Tout va bien. She's a seeing eye cat, ça veut dire quoi? Oh, d'accord, c'est comme un chien d'aveugle. C'est un chat d'aveugle. Ma vision est vraiment très mauvaise. Sors-la d'ici, Daniel. Ouais, 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 bien sûr, plus tard. Punky, horrible. Chat d'aveugle. Désolée, chérie, mais tu sais que tu n'es pas supposée quitter cette aile. Oui, c'est vrai. C'est quoi cette machine? Insérer une carte de crédit ou de débit maintenant. Ok. Et là, ça fait faire longtemps que je ne t'ai pas vu, mon pote. Tu as faim? Tu as besoin de quelque chose? Quoi de neuf? T'as entendu? Ils ont finalement remis du stock dans la voie, dans la machine... dans le distributeur qui se trouve dans le hall de l'hôpital. Ah, ils ont... Ok, avec des peanut chouchous. D'accord. Ils ont remis des peanut chouchous, des cacahuètes. Des cacahuètes chouchous dans le distributeur, dans le hall de l'hôpital. Ok. Bon, il y avait un mec de l'hôpital qui était là l'autre jour et qui nous suppliait de le faire. J'imagine que ce n'est pas juste les enfants qui aiment ça, hein. Alors, est-ce que t'as entendu parler du voleur, toi? Oh ouais, quelqu'un est venu ici
et à emporter plein de nourriture et de boissons. Mais c'est impossible qu'il soit entré par ici à travers la cafétéria. Tu vois cette porte en métal, là-bas? Elle se ferme après des heures et personne ne peut la passer. Alors, je parie qu'ils sont entrés d'une façon ou d'une autre par la porte arrière. La porte arrière? Oui, c'est un... Hein, quoi? C'est un réseau de passages fermés. Oh, des chambres à moitié construites. Des espaces de stockage, tout ça. Le résultat de... oui, c'est fou là-bas. Il doit y avoir genre des labyrinthes dans l'hôpital. Parlez-moi des patients. Daniel. Ne lui dis pas que je te dis ça, mais Daniel a un cœur d'or. Elle passe son temps libre à venir ici et à coudre des jouets pour tous les patients. Et ne lui dis vraiment pas que j'ai dit ça, mais... C'est un peu une vieille dame à chat folle. Non, il n'a pas dit vieille. C'est un peu une dame au chat cinglée. J'ai entendu ça. Qu'est-ce que je peux dire? C'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Kissaboulo. Si ce Kissaboulo entre ici une fois de plus pour emprunter mon matériel, je te jure. Emprunter? Oui. Il a pris toutes mes... Alors, soup ladles, je ne sais pas ce que c'est. On va dire les louches. Il a pris toutes mes louches. Et pourquoi? Pour aller creuser dans la boue à l'extérieur pour déterrer des trésors. Mais j'ai un peu pitié de ce gars, en fait. Ce n'est jamais facile quand quelqu'un commence à perdre l'esprit comme ça. Ça doit être encore plus dur pour sa famille. Jackie est un homme intelligent. Parfois, je pense qu'il est sur une autre planète. Mais s'il y a bien une chose dont nous pouvons parler, c'est de nourriture. Bien sûr, nous avons des méthodes différentes. Lui, il est à fond sur la science. Il cuisine avec son cerveau. Je cuisine avec mon cœur. Ok. Et c'était tout. C'était tout. Ok. D'accord. Est-ce que la souris sert genre pour pointer à un endroit? Ah oui! Je vais peut-être jouer avec la souris alors. Parce que mon clavier fait un peu de bruit. La door est fermée. La porte est verrouillée. Oh, c'est quoi cette porte mystérieuse? Il semble qu'il y ait un tunnel par ici qui a été bloqué. Peut-être que tu pourrais passer à travers si tu avais les bons outils. C'est vous le Kissaboulo? Ouais. Je ne t'ai pas vu depuis un long moment. C'est bon de te voir te promener à nouveau. Tu as besoin de quelque chose? Putain, on fait des dialogues. Il semble ces jours-ci qu'il va être de plus en plus difficile de trouver les mots. Soit ça, soit les gens ne m'écoutent simplement pas. Mais tu sais, si c'est mon tour de quitter ce monde, alors je suis prêt à y aller. Je veux juste être sûre que j'ai dit les choses qui ont besoin d'être dites avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu as entendu parler du voleur? J'ai dit aux infirmières depuis longtemps que quelqu'un s'aventure ici dans la nuit. J'ai entendu qu'il volait de la nourriture de la cuisine de la cafétéria. Ce qui
signifie de toute évidence qu'ils ont un moyen d'entrer dans différentes parties de l'hôpital auxquelles les patients n'ont pas accès. Comment est-ce qu'ils rampent à travers les bouches d'aération, les conduits d'aération, pardon? Il faut être plutôt petit pour passer à travers. Mais personne d'ici ne m'écoute, de toute façon. Ils semblent tous penser que j'ai perdu l'esprit. Ah, je ne suis pas du genre à faire la commère. Ok, très bien. Merci quand même. Page 1. À partir des résultats du scan du cerveau de Kisabudo, nous pensons que les métastases sont la cause de son délire. Je recommande de commencer à lui administrer des antipsychotiques. Référez-vous à la liste des hallucinations et des illusions. Page 2. 21 octobre. A été trouvé escaladant l'échelle de construction de la zone 5B. Quand on l'a interrogé, il a répondu qu'il avait l'intention de faire un trou dans le plafond. 28 octobre, a été trouvé dans la cour en train de creuser dans la boue. N'a pas répondu quand on l'a questionné. Était apparemment inconscient de l'heure et du lieu où il était. 2 novembre, apporter des sacs de... C'est grand, c'est tellement grand. Oh, infirmière. Vous m'avez appelé, infirmier? Oui. Apparemment, les toilettes de la chambre dessous sont cassées maintenant. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je suis un infirmier, pas un plombier. Je ne sais même pas comment réparer les toilettes. Eh bien, quelqu'un doit le faire. Vous savez que nous sommes à court de personnel. Très bien, je vais voir si je peux trouver du matériel. Chambre de Gemma est sous. Infirmier, les toilettes ici sont cassées. Il y a quelque chose en métal coincé à l'intérieur. Si tu dois y aller, tu devrais trouver une autre... d'autres toilettes. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des toilettes pour filles, tu sais. Mais si tu dois vraiment utiliser la salle de bain, alors parle-moi. Okay. Je vais d'abord parler au monsieur. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quoi de neuf? Ma femme est endormie depuis de longs mois maintenant. Mais je m'assieds toujours ici pour lui parler tous les jours, et parfois je lui fais la lecture. As-tu remarqué que certaines portes par ici ont des boîtiers électroniques à mot de passe? On m'a dit que ces endroits sont fermés depuis longtemps, même au staff, même au personnel. Mais récemment, j'ai remarqué que un de ces boîtiers a été allumé. Si je pouvais trouver la carte correspondante. Sous. Par moment, j'ai eu à ramener Sous à sa chambre. Elle a l'habitude de se promener sans but certaines nuits. Tony. Je crois que Tony n'a pas parlé avec sa famille depuis un moment. Ça me rend triste de penser que des familles peuvent être déchirées simplement parce que des gens ne se comprennent pas, ne sont pas d'accord sur un sujet. Cora. C'est la première fois que j'entends parler d'une personne appelée Cora. J'ai entendu dire que Cora et ses amis travaillent sur un projet spécial pour booster le moral... dans l'hôpital. La dernière fois que j'en ai entendu parler,
il s'était auto-baptisé les héros. Les héros à la cape en serviette de toilette. Quelque chose comme ça. Ok. Bon, Sou. Bonjour. Alors, tu veux utiliser nos toilettes, hein? Ben, je crois. Ouais, je comprends. On doit tous y aller un moment. Mais je peux juste pas laisser n'importe qui utiliser nos toilettes. C'est une chambre de fille, tu sais. Ah, on dirait vraiment que tu dois y aller. Eh bien, écoute ça. Tu vois cette jarre, ce vase à côté de moi? Ah, ok. C'est ma collection de billes. Mais il m'en manque certaines. J'en portais une poignée dans mes poches l'autre fois. Et je suis plutôt sûre que certaines sont tombées. Si tu pouvais juste en trouver une, je te laisserai utiliser nos toilettes quand tu voudras. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça pour moi? Je vais faire de mon mieux. Merci. Le dernier endroit où je jouais avec, c'était avec Daniel dans la cafétéria. Alors tu devrais vérifier de ce côté-là. Ok, on a des genres de quêtes. Dommage que réparer les toilettes ne figurait pas sur le programme de l'école d'infirmiers. Voyons voir. J'ai déjà sauvegardé. En même temps, c'est cool, ça va me dire... Ça fait 30 minutes. Ok, je vais arrêter l'épisode. D'accord, nos quêtes sont trouver qui a volé le livre et ramener à Sou une de ses billes perdues. Comment on revient? Ah oui, avec ça. Ok. Très bien. Eh bien, c'est ici qu'on va s'arrêter pour notre premier épisode introductif de Rakuen. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Pour le moment, je m'amuse bien et j'ai hâte de continuer le jeu parce que je sais que tout ceci, ce n'est que l'introduction dans l'hôpital. Après, on va plonger normalement dans un monde un peu imaginaire, fantastique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. Il paraît que le jeu est très beau et très émouvant. Donc, j'ai très très hâte de vous retrouver pour un deuxième épisode. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Salut !